C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une autre édition de Ville en action, votre émission d'actualité de la ville de Saguenay. Au programme cette semaine, nous parlons d'abord du 5e salon de la vallée de l'aluminium qui a réuni pas moins de 400 participants. Avec ses 80 exposants, c'en fait le plus important rendez-vous d'aluminium au pays. Nous nous transportons ensuite sur la base de Bagotville pour vous donner les détails des deux spectacles aériens prévus cet été et en 2015. Et puis, nous nous entretenons avec le conseiller municipal Luc Blackburn, qui nous fait visiter le nouveau centre multisport de La Terrière. Mais pour tout de suite, rendons-nous sur le campus de l'Université du Québec à Chicoutimi pour le 5e salon de la vallée de l'aluminium. Nous allons entendre d'abord des extraits de l'allocution du maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. C'est un plaisir pour moi de venir vous rencontrer aujourd'hui. Je salue le président d'honneur. Bonjour, bonjour. Je veux saluer particulièrement les gens qui viennent de l'extérieur. Welcome, all of you. I hope you will enjoy your stay in Saguenay. C'est un plaisir de vous accueillir. On m'a dit que vous parliez presque tous français, alors on va... J'aimerais peut-être vous expliquer que pourquoi on est aussi... voué à l'aluminium. Vous savez, l'aluminium, ça va avoir bientôt 100 ans. Et la région s'est développée autour de l'aluminium. On a ça dans le sang. Alors, c'est arrivé ici en 1925, ça faisait pas longtemps que l'aluminium existait. Et depuis ce temps-là, nos parents, tout le monde, on a toujours, ça a tourné autour de l'aluminium. Avant que ça arrive, la région existait, mais c'était pas vraiment dynamique. C'est vraiment l'aluminium qui nous a mis au monde. Et aujourd'hui, on fait des activités, vous voyez la société sur la vallée de l'aluminium et bien d'autres activités. On est, en toute modestie, là, on est parmi les meilleurs au monde dans plusieurs activités qui tournent autour de l'aluminium. Et même si actuellement le marché est moins bon, on tire notre épingle du jeu. On va avoir une aluminerie bientôt, on l'a déjà, mais elle va s'agrandir à Jonquière qui va être probablement l'aluminerie qui va posséder les technologies les plus modernes au monde. Alors, on a toujours été à l'avant-garde. Grâce, vous le savez peut-être, à notre système de production d'électricité, on produit de l'électricité d'une façon très grande. Vous avez vu nos rivières. Alors, ici, on a une vocation d'aluminium, mais on sent que c'est parti pour longtemps. On a fait un grand bout de chemin au cours des dernières années. C'est un marché qui est difficile, mais quand on fait des salons, comme je l'ai fait un petit peu de ce temps-ci, on s'aperçoit que c'est difficile partout. C'est pas plus difficile ici qu'ailleurs. C'est vraiment un marché, la transformation de l'aluminium, entre autres, qui est difficile. Mais quand on réussit, on est bien récompensé. Et dans la région, je pense qu'on commence à en vivre là, les conséquences. Ça va très bien. Le marché de l'aluminium est un marché qui prend de l'ampleur. Nos techniciens sont de mieux en mieux, de plus en plus compétents. Et je pense qu'on n'a pas un endroit au monde où il y a autant de recherches au kilomètre carré qu'à Saguenay. Alors, j'espère que votre visite ici, ça va être profitable. J'espère qu'on va entretenir des liens pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Hein? On se bâtit une aluminerie en Chine, en Orient, partout, on est présent. Hein? C'est pas comme avant, on voyage très rapidement et on insiste, on veut participer avec vous, profiter de l'accroissement de l'aluminium. Ford F-150, l'année prochaine, vont être entièrement en aluminium et que cet aluminium va provenir d'une usine de Saguenay. Alors, c'est extraordinaire, hein, quand on connaît la popularité, c'est l'auto la plus vendue au monde. Alors, on voit qu'on est vraiment bien positionné et qu'on est après prendre une place de plus en plus importante partout dans le monde, dans le secteur de l'aluminium. Être son propre patron, il y en a ici beaucoup, effectivement, parce que vous regardez tous les stands qui sont ici, là, il y a tout un patron en arrière de chaque cartable qui est ici, il y a un patron qui essaye de développer son entreprise. Vous savez, c'est le défi d'une vie. Le plus dur, le plus excitant et le plus mémorable, c'est de partir, c'est-à-dire oser foncer. Partir de la sécurité d'emploi, partir trouver ses premiers clients, partir convaincre sa banque, qui pour moi, ma première ligne de crédit était 60 000 $ à la Banque Royale. Partir le premier projet, mon premier mandat individuel, c'était comme consultant en gestion de construction pour
un professionnel de la santé, il m'avait offert 10 heures à 400$, donc j'avais un mandat de 400$, très stressant. J'ai livré la marchandise, puis ça a été mon premier mandat ici en région. Vous savez, les plus performants ne sont pas nécessairement les plus éduqués avec une brochette de diplôme. Ce sont souvent des hommes et des femmes avec 10 % d'inspiration et 90 % de transpiration, comme des Benoît Allard et Ghislain Larouche de SKL Aluminium. Les 5 premières années sont les plus difficiles, dangereuses et stressantes. Beaucoup ne s'y rendent pas à 5 ans. L'idéal est de se faire accompagner par un mentor qui a bien réussi et de l'écouter comme il le faut, tout en étant responsable de la décision ultime, car c'est votre entreprise et vous devez assumer votre choix et le risque qui vont avec. Durant cette période de départ excitante, tout peut arriver. Produits pas au point, services non rodés, non supportés, non référés, etc. Besoin important de liquidité, car peu de revenus, banquier nerveux, réputation à développer, se faire référer, vendre la confiance, car les clients sont naturellement sceptiques. Beaucoup d'entre vous doivent se reconnaître dans cette situation-là et s'en amuser aujourd'hui, car c'est toujours mémorable le départ d'entreprise. Ce qui est plus facile, c'est une fois décollé, le reste, c'est relativement facile, c'est strictement de la gestion, de l'intégration d'associés, d'achats de compagnies en difficulté, attaquer de nouveaux produits, de nouveaux marchés. Toutes les diversifications verticales, horizontales et territoriales, etc., là, on embarque dans la routine du développement des affaires naturelles. Notre meilleure année à vie à Groupe Cégère fut celle de 2012 avec un chiffre d'affaires de 225 millions et jusqu'à 1200 employés. Vous le savez, je suis un addict du partenariat. Car c'est cette approche qui m'a permis d'amener mon groupe à ce niveau de développement aujourd'hui. La relève devra travailler pour développer les entités avec des partenaires, soit des firmes majoritairement hors Québec, hors Canada, afin d'atteindre de nouveaux sommets en chiffre d'affaires et de profit par entité, car le carré de sable de la région ne peut répondre à nos projets d'expansion futurs. Ce sont de nouveaux défis que toutes les entités devront faire face pour soutenir leur croissance. Les entrepreneurs avec leur relève devront travailler en équipe et en harmonie pour assurer le succès de ce défi. Je me plais souvent à comparer la première génération d'une entreprise à des pilotes de brousse. Et Jeannot la connaît, celle-là, et je m'amuse à en parler. J'ai dit, les pilotes de brousse, les vrais entrepreneurs, ceux qui ont parti en affaires, veulent voler à vue. Il faut qu'ils voient, il faut qu'ils sentent. Ils sont dans les opérations, ils sont en micromanagement. Ils doivent faire confiance, ils sont bons. C'est incroyable. Puis arrive un moment donné où il faut traverser l'Atlantique. Et là, tu ne peux pas continuer à voler à vue parce qu'il va falloir que tu voles de nuit. Il va y avoir des intempéries. Il va y avoir un couvert nuageux. Et puis là, ça va demander des instruments. Là, il va falloir se fier, faire confiance, bien s'entourer, avoir un plan de match, parler à tour de contrôle, des fois pas savoir tout ce qui se passe. Et ça, c'est le défi de la deuxième génération, c'est les gens qui arrivent en arrière. Alors, une fois qu'on a décidé de la pérennité des entreprises, une fois qu'on fait le transfert, une fois qu'on est rendu dans le transatlantique, qu'est-ce qu'on fait? Puis aujourd'hui, bien, Jeannot et moi, on voulait absolument partager avec vous comment le groupe Cégère s'est positionné. Puis le message qu'on veut donner aujourd'hui, c'est une fois qu'on a réussi la première génération, une fois qu'on est en transfert d'entreprise, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre nos expertises qu'on a développées ici dans la région, chacune des entités, et de les sortir de la région, de les sortir du Québec et les transporter ailleurs. Et ça, ça se fait de différentes façons. Puis la beauté du groupe, c'est que chacune de nos entités a un plan de match différent, mais il y a un fil conducteur qui s'appelle sortir. Dans le cas de Cégerco, diversification géographique.
sortir du Québec. Dans le cas de McPhare, par acquisition d'entreprise, par changement de type d'équipement, sortir de notre marché, se diversifier à l'extérieur. Dans le cas de CGRTech Wally Parsons, ça a été une acquisition de 50 % de la firme par une multinationale qui nous permet aussi de sortir du Québec et de se retrouver ailleurs et d'exploiter les expertises qu'on a développées en région. Et dans le cas de CGRDEV, qui est notre immobilier, c'est la même chose, sortir de la région et exploiter et faire des acquisitions d'immeubles à l'extérieur aussi. Donc, le message qu'on voulait dire, c'est que oui, on se développe ici, les premières générations, la deuxième génération. N'hésitez pas, il faut sortir, il faut continuer de croître, il faut continuer de créer des emplois ici en allant ailleurs. Plus d'une centaine d'entreprises contribuent au succès de ce secteur et font travailler plus de 7500 personnes dans la région, bien sûr en tenant compte de l'emploi issu de la production primaire d'aluminium. Ces entreprises sont solidement appuyé par plusieurs centres de recherche publics et privés reconnus mondialement. On le sait, ici à l'Université du Québec à Chicoutimi, on a des centres de recherche qui sont reconnus. Et ça, là, je vous dirais qu'on est en avance par rapport aux autres régions là-dessus. Il faut se le dire, et bien sûr, il ne faut pas seulement se le dire, il faut s'en servir. Et par le gouvernement du Québec, dans le cadre de la démarche Accor, qui est à l'origine des créneaux d'excellence présents à travers tout le Québec. Je vous rappelle que la démarche Accor vise à dynamiser l'économie des régions du Québec. Elle s'appuie sur la force régionale, la mobilisation et le dynamisme des gens d'affaires, ainsi que sur la recherche de l'excellence dans ce secteur clé du Québec. Le secteur de la transformation de l'aluminium est un véritable moteur économique pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et, malgré les soubresauts des dernières années, nombreuses sont les entreprises du secteur qui ont su garder le cap et poursuivre leur croissance. C'est là qu'on reconnaît le défi. C'est là qu'on reconnaît les bonnes entreprises qui réussissent à tirer leurs épingles du jeu. Jeannot le dit, Héloïse le dit. Vous savez, faut savoir piloter lorsqu'on est au volant d'un avion, parce qu'on sait qu'en arrière, là, c'est-à-dire on a des employés, on a des gens qui se fient sur nous. Et ça, c'est là le défi. C'est là, justement, qu'il faut avoir les yeux clairs. Et puis, Héloïse le dit, lorsqu'on arrive en deuxième génération, il faut se servir des outils que l'on a. Parce qu'il y a des gens qui étaient là avant nous, ils nous ont permis de se rendre là, et nous, maintenant, avec des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire, on est en mesure d'amener l'entreprise plus loin, et c'est exactement ce que Jeannot et Héloïse ont fait la démonstration tout à l'heure. Je vous invite maintenant à me suivre sur la base militaire de Bagotville pour assister à la conférence de presse où le maire de Saguenay, Jean Tremblay, a annoncé l'accès de la gratuité aux deux spectacles aériens en 2014 et 2015. Cette année, le spectacle aura lieu le 18 juin et l'édition officielle en 2015 se tiendra les 20 et 21 juin. Je vous en dis pas plus long, donc suivez-moi, nous assistons à la conférence de presse et nous rejoignons tout de suite les intervenants. On est très heureux de participer à cette activité-là parce que la base militaire pour la ville, c'est un joyau. On a toujours eu de bonnes relations avec la base militaire et on est content de l'avoir ici. Je ne manque pas une occasion de le dire quand je rencontre les autorités fédérales et de leur dire également qu'on devait, ça devait s'amplifier là, le nombre de militaires, et ça s'est fait. Je me rappelle la dernière fois que j'en avais parlé avec M. Harper, il était au Lac-Saint-Jean, puis il m'avait dit à ce moment-là, j'ai pris un engagement et je vais tenir ma promesse. Alors, on voit que c'est après se concrétiser. Alors, on est très content, puis on espère que la base va prendre encore de la vigueur. C'est une base militaire importante au Canada, mais c'est fragile. C'est fragile. Il y a des décisions politiques qui peuvent se prendre. Il n'y a rien dans l'air, là, au contraire. Sauf qu'on est toujours aux aguets et on s'assure que les autorités politiques voient d'une façon favorable l'agrandissement, la progression. Il y a des projets dans l'air et on veut savoir à quelle base ça va aller. On veut que ce soit ici. Et en appuyant d'une façon aussi intensive
les activités militaires. On démontre jusqu'à quel point on les affectionne, ces activités militaires, que nos citoyens sont contents. Pour 2015, on va l'annoncer partout au Québec. On a ici le plus grand spectacle aérien du Canada. Alors, c'est pas rien. Alors, on est la base de spectacle, mais aussi la base sérieuse pour les activités militaires ici à Saguenay. On nous a dit que c'était le troisième employeur. Alors, c'est très, très important pour nous. Et ça peut le devenir encore davantage. Avec les activités qui s'en viennent, on n'en parle pas trop parce qu'on sait qu'on a de la compétition. Puis on a vu dans Ferro-Atlantica que quand on en parle trop, qu'on s'en vende trop rapidement, ça peut nous nuire. Alors, on préfère travailler ça tranquillement, mais je peux vous dire que les autorités de la base ici collaborent avec nous autres d'une façon exceptionnelle. Exceptionnelle, on voit qu'ils aiment la région, qu'ils veulent que ça se développe ici. Alors, je profite de l'occasion pour les remercier. C'est vraiment apprécié. Nos relations avec les militaires de Bagotville. À titre de président du spectacle aérien international de Bagotville, ça me fait un grand plaisir de vous annoncer le retour de la gratuité pour notre spectacle aérien édition 2015 qui aura lieu la fin de semaine des 20 et 21 juin. Cette gratuité ne serait pas possible sans un partenariat exceptionnel et une coopération avec Ville-Saguenay. Alors, je désire vous dire un sincère merci, M. le maire. Vous savez, Bagotville est maintenant officiellement le plus grand spectacle aérien au Canada. C'est un exploit que nous sommes très fiers de partager avec vous et c'est un exploit que nous devons de partager avec nos partenaires régionaux. Sans dévoiler toutes les surprises que nous vous réservons pour 2015, je désire vous mentionner que notre spectacle de 2015 ne sera pas seulement un spectacle aérien, mais bien une journée porte ouverte pour les Forces armées canadiennes. Alors, vous aurez le plaisir de constater une participation de nos confrères de l'armée canadienne et de la Marine royale canadienne. Afin de vous garder en haleine pour notre spectacle 2015, je suis aussi très heureux de vous annoncer que nous avons conclu une entente avec Ville-Saguenay afin de vous présenter un spectacle aérien au-dessus de la BDAA qui aura lieu le 18 juin 2014. Pour nous, à Bagotville, nous sommes toujours très heureux d'organiser des spectacles aériens, des journées portes ouvertes. Pourquoi? Parce que ça nous permet de construire et continuer à maintenir les excellentes relations que nous avons avec notre communauté. Ça nous permet de démontrer notre fierté régionale. Ça fait déjà 72 ans que la base de Bagotville est en région avec la devise « Défendez le Saguenay ». Ça nous permet de remercier la population pour le soutien inconditionnel que nous avons constamment envers la base de Bagotville, qui est, soit dit en passant, le troisième plus grand employeur en région. Et finalement, ouvrir nos portes, ça nous permet de démystifier, de vulgariser ce que la base apporte à la région, mais aussi à notre pays. En terminant, et pour les amateurs de golf, je tiens à vous mentionner que le lendemain du spectacle aérien à la baie, soit le 19 juin, nous aurons la classique du commandant qui se tiendra au terrain de golf Port Alfred à Ville-la-Baie. Les profits recueillis serviront à soutenir nos opérations au Centre des familles militaires et aussi à soutenir les opérations de notre musée, dont nous sommes particulièrement fiers. Alors, réservez ces dates à vos agendas, 18-19 juin 2014, 20-21 juin 2015. Et nous espérons vous voir en très grand nombre. Monsieur le maire, mon colonel, mesdames et messieurs, bon matin. Comme Eric a mentionné, je suis le directeur général pour le spectacle aérien de la baie 2014. Et je vais profiter du moment pour vous présenter mon remplaçant qui se passera le 9 mai cette semaine. C'est le lieutenant-colonel J.P. Peer qui va prendre les rênes vendredi après-midi. À propos de le pageant spectacle sur la baie, comme le colonel a mentionné, c'est le 18 juin. Les éléments, on va avoir trois éléments, c'est des équipes militaires qui vont démontrer le professionnalisme et la dédication des Forces armées canadiennes. Le spectacle va commencer à 18h locale. On va voir l'escadron 49, le CH-146 Griffon, basé ici sur la base de Bagotville. Ça va suivre avec nos fameux Snowbirds. Cette année, j'aimerais mentionner aussi qu'on a un natif de la baie, le major Patrick Gobet, qui est le chef de l'équipe des Snowbirds. Alors, c'est une belle occasion de le revoir, puis il va être très content, et nous autres aussi, de le revoir ici dans la région.
Et finalement, l'équipe nationale de CF-18 va se présenter. Ils vont voler ici aussi, au-dessus de la BDA. C'est l'équipe de la 4e escadre de cette année, de Cold Lake, Alberta. Mais c'est une équipe de techniciens de Bagotville qui va s'en occuper d'eux autres ici à Bagotville. Fait que je voulais juste mentionner, en tant qu'élément, en tant que spectacle, ça va commencer à 18h local, puis ça va durer à peu près 90 minutes. Vous permettrez d'ajouter quelques éléments d'information, notamment ce qui concerne le 18 juin. Les activités vont commencer sur la zone du quai d'escale de la baie à compter de 16h. Il y aura de l'animation autour du quai d'escale avec des amuseurs, des jeux, de l'animation musicale également. Tout ça, ce sera à compter de 16h. On annonce également la ville de Saguenay met à la disposition des citoyens pour ces deux événements, donc tant pour 2014, le 18 juin, que pour 2015, mettra à la disposition des citoyens des navettes gratuites qui permettront aux gens d'arriver des arrondissements de Jonquière, de Chicoutimi et également de, évidemment, à la baie pour le 18 juin, ce ne sera pas nécessaire, mais pour l'été prochain, ce sera le cas. Donc, il y aura des navettes gratuites qui vont circuler tout au cours de l'après-midi. Vous avez dans la pochette, d'ailleurs, de presse, tous les détails en ce qui concerne les navettes, les lieux de départ, les heures et ainsi de suite. Donc, on veut que ça soit présenté le plus facilement possible pour les gens. On les invite à utiliser les navettes, évidemment, parce qu'on comprendra que l'effet d'entonnoir vers le quai d'escale à la baie, ça peut se compliquer si les gens se mettent à y aller tous avec leur véhicule. D'ailleurs, il y a une certaine partie du secteur qui ne sera pas accessible, les stationnements dans ce secteur-là pour les voitures. Donc, on invite vraiment les gens à utiliser les navettes pour ces deux événements. On vous rappelle que ce sont des événements qui sont présentés gratuitement. Le 18 juin, les gens vont pouvoir profiter de toutes ces activités gratuitement également sur le site. Et en plus, au cours des prochains jours, le site Internet du spectacle aérien international de Bagotville, donc saibagotville.com, mettra en ligne toute l'information pour que les gens puissent avoir tous les détails en ce qui concerne notamment les navettes, également disponibles sur le site de la ville de Saguenay. Le soir de la présentation du spectacle, le 18 juin, les gens pourront suivre la description sur place, donc on entendra la description du spectacle, mais il sera aussi possible de le suivre sur Internet cette année. Donc la description du spectacle sera diffusée en direct sur le web et on lancera également là, dans les jours qui vont suivre nous, le spectacle aérien va lancer son application mobile pour tous les téléphones intelligents, tablettes et plateformes qui va permettre aux gens de suivre les dernières nouvelles en ce qui concerne le spectacle aérien, mais également le soir même de pouvoir trouver rapidement le lien pour ce qui est de cette diffusion Internet qui sera d'ailleurs audio et vidéo. Donc, les gens qui ne pourront pas se déplacer vers la baie pourront suivre également le spectacle à partir de chez eux. Très bientôt, le nouveau centre multisport de La Terrière ouvrira ses portes à la population. Afin de vous donner un avant-goût de ce que vous allez retrouver à l'intérieur de cette bâtisse qui a été érigée par la Ville, nous allons effectuer une petite visite en compagnie du conseiller municipal de La Terrière, M. Luc Blackburn. Pouvez-vous nous situer où se trouve le nouveau centre multisport à La Terrière? Absolument. Alors, c'est un parc qui s'appelle le parc Nazaire-Girard, qui est situé derrière l'église. Donc, c'est un très bel espace vert à La Terrière où on retrouve une rivière et plein de verdure et plein d'arbres. Donc, c'est un magnifique parc. Vous allez nous décrire un petit peu le bâtiment. J'aimerais bien qu'on va voir les images pendant que vous allez nous le décrire. De l'extérieur, quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour l'architecture? Alors, un peu comme partout à Saguenay. Alors, Saguenay favorise le bois, donc on retrouve du bois et de la pierre et de la brique à l'extérieur. On va faire le tour du propriétaire, oui. On va entrer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce bâtiment-là? Alors, quand on entre dans le centre multisport, on entre dans un aspect, dans un environnement comme un énorme chalet. Donc, c'est super. Et j'ai hâte que les citoyens visitent et s'approprient les lieux. Donc, à la droite, il y a une salle de réunion qui va servir à toutes les entités qui vont utiliser autant l'intérieur que l'extérieur du parc. Et puis, à gauche, c'est un hall d'entrée. Donc, le hall d'entrée d'attente et de pause et de rafraîchissement. Et on poursuit. Alors là, il y a une magnifique salle de danse qui est adaptée à toutes les sortes de danse. Alors, on parle autant de Zumba que de ballet, avec la barre, les miroirs et tout et tout. À gauche, là, il y a la salle multifonctionnelle où on va pouvoir faire fins d'année au niveau du judo, du baseball. Est-ce que c'est le gymnase? Non, on n'est pas encore rendu à gymnase. Ça s'appelle une salle multifonctionnelle.
Et là, on arrive justement à la salle d'entraînement qu'on appelle la salle de musculation et d'aérobie. Donc, à l'intérieur, on retrouve tous les appareils de musculation. Et dans cet espace-là, il y a un espace qui est tout installé avec des vélos stationnaires pour faire le spinning avec l'écran qui va projeter des images où on veut faire du vélo dans une ambiance sportive ou plutôt de détente. C'est un centre qui va être à la fine pointe de la technologie aussi. Oui, hein? Avec le réseau Wi-Fi et tout ce que ça prend pour se connecter et être, comme vous dites, à la fine pointe de la technologie. Le centre, est-ce qu'il va être ouvert 7 jours sur 7? Absolument, 7 jours sur 7. Et il ne faut pas oublier qu'au bout du couloir, là, on a le gymnase des arts martiaux. Donc, d'accord. Il y a deux surfaces de combat. C'est magnifique, c'est bien installé, c'est professionnel. C'est même, on va pouvoir faire des compétitions. Donc, c'est super grand. C'est pour, entre autres, le judo, le karaté et tout. Et quand on se tourne de côté, bien là, les parents ou les grands-parents, ou peu importe, les personnes qui accompagnent le jeune qui fait du judo, les spectateurs, bon, il y a une mezzanine en haut. Donc, on a une vue plongée sur le gymnase des arts martiaux et on voit dehors et c'est magnifique. Il y a des gens qui vont y travailler? Oui, absolument. Bien, il faut noter que, en passant, je devrais aussi prendre publiquement au niveau de remerciement, de mentionner tout le travail qui se fait au niveau du conseil d'administration parce que la gestion va être établie et fait par un conseil d'administration de gens bénévoles. Donc, eux ont procédé à l'embauche déjà du coordonnateur et puis il y aura d'autres personnels qui vont engager. Je pense qu'on parle de 5 à 6 emplois qui sont créés là, par la construction du centre multisport. Et à quel moment, là, on a vu des images, on a laissé entrer les téléspectateurs à l'intérieur, mais concrètement, à quel moment les gens vont pouvoir le visiter? Alors, c'est ma plus grande hâte hein, que les citoyens le visitent, en prennent possession et l'utilisent pour tout ce qu'on vient de parler. Donc, on parle de très prochainement, parce que là, le conseil d'administration est en train de travailler à tout mettre en place pour accueillir justement les citoyens, les utilisateurs. Donc, et là, au niveau de la construction, de tout mettre en place, ça va super bien, ça achève. Donc, le bâtiment va être livré sous peu. Et puis, bon, on va procéder à l'ouverture dans les semaines qui s'en viennent. Il reste de la finition à faire, comme absolument. On dit. Absolument, oui, parce que quand on va accueillir les citoyens, on veut que tout soit fin prêt au niveau des équipements, des installations et également au niveau de l'accueil et du service de vente de cartes et tout et tout. Et vous allez le faire savoir, évidemment, là, la nouvelle va se propager. Absolument. Et les gens vont être au courant à quel moment ça va ouvrir. C'est ainsi que prend fin une autre émission de Ville en action. Un gros merci d'avoir été là et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour tout commentaire ou suggestion en vous rendant sur le site Internet de villeenaction.ca. On se revoit très bientôt pour une nouvelle édition de Ville en action. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ville en action vous transporte cette semaine au 5e salon de la Vallée de l'aluminium où vous aurez l'occasion d'entendre entre autres l'allocution du maire de Saguenay, Jean Tremblay. Nous dévoilons les détails entourant les deux prochains spectacles aériens de cet été et de 2015 et nous visitons le nouveau centre multisport de La Terrière avec le conseiller municipal Luc Blackburn. Ville en action, votre émission d'actualité municipale de Saguenay.